الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا البيت المبارك كعادتنا في ليلة السبت، وليلتنا هذه هي ليلة 20 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 للهجرة الموافقة للعاشرة من شهر يوليو لعام 20 و2000. كعادتنا في هذه الليلة نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، المعروف برياض الصالحين، وقد شرعنا في قراءة الباب الرابع من هذا الكتاب الذي هو بعنوان الصدق، وقرأنا الآيات التي جعلها الإمام النووي رحمه الله تعالى مقدمة لهذا الباب، وقمنا بشرح الحديث الأول من هذا الباب الذي هو 54، والليلة بإذن الله ننتقل إلى الذي يليه بتوفيق الله عز وجل وتسديده. Mes frères, nous réunissons comme chaque vendredi soir dans cette mosquée. Nous sommes dans la 20e nuit du mois de Dhul-Qa'da 1441, c'est-à-dire le 10 juillet 2020. Donc comme chaque vendredi soir, nous ouvrons ensemble le livre de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf, connu sous le nom de Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Nous avons pu, il y a de cela quelques semaines, commencer la lecture du 4e chapitre du livre qui traite de la véracité, du fait de dire la vérité. Et nous avons pu lire les quelques versets que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a évoqué en guise d'introduction, ainsi que le premier hadith du chapitre, qui était le 54e. Et nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés, avec le 55e hadith. « Qala rahimahullah ta'ala al-thani, al-hadith al-thani min hada al-bab, an Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talibin, radiyallahu anhuma, annahu qal, hafidhtu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. أولا، هذا الحديث يرويه لنا صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو ابن بنته الحسن أبو محمد رضي الله عنه. وقد ولد الحسن رحمه الله ورضي الله عنه في السنة 3 من الهجرة، بعد أن تزوج علي فاطمة بنت محمد رضي الله عنهما بعد رجوعه من غزوة بدر. فولد الحسن رحمه رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جاما، وكثيرا ما كان يقبله ويحمله، بل ذات يوم كان يلقي الخطبة على مسامع الناس وإذا بالحسن يحبو بين يديه وهو يحمل قميصا لونه أحمر، فنزل من على المنبر وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد به المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقبله ذات يوم وقال اللهم إني أحبه فأحب من يحبه، وقال ذات يوم في حقه إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحسن تنازل عن الخلافة في السنة 30 بعد وفاة أبيه رضي الله عن الجميع، وأصبح معاوية أميرا للمؤمنين، وسمي هذا العام بعام الجماعة، حيث اجتمع المسلمون وانتهت هذه الفتنة التي شقت عصاهم. والحسن رضي الله عنه لا يروي من الأحاديث إلا الشيء اليسير،
قيل أنه لا يجاوز بضعة وعشرة أحاديث أو حديثا رضي الله عنه. من هذه الأحاديث التي حفظها من جده النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي بين أيدينا. Le 55e hadith du livre est rapporté par Al-Hassan ibn Ali, Abu Muhammad. An-Nawawi rahimahullah ta'ala avait comme particularité, on retrouve ça dans ses livres généralement, lorsqu'il évoque le rapporteur, le compagnon, il cite soit son nom en entier ou bien il le cite avec sa kunya. La kunya, c'est le fameux surnom que les Arabes se donnaient en mettant comme préfixe le père d'eux ou la mère d'eux, Abu Fulal ou bien Ummu Fulal. Et Al-Hassan ibn Ali, c'est le fils d'un compagnon, d'une femme chez les compagnons, et néanmoins des gens très importants. Ali ibn Abi Talib, qui est le cousin germain du prophète alayhi as-salat wa salam, le fils de son oncle Abu Talib. Et c'est le fils de Fatima bint Muhammad, la fille du prophète alayhi salat wa salam. Ali et Fatima se marièrent après la bataille de Badr. Et un an plus tard, à la troisième année, Al-Hassan naquit. Et le prophète l'aimait énormément. Al-Hassan ibn Ali radiallahu anhu faisait partie des quelques personnes qui ressemblaient beaucoup au prophète sallallahu alayhi wa salam. Le prophète aimait beaucoup Al-Hassan, en sachant que les fils qu'il a eus avec Khadija radiallahu anha sont morts en bas âge. Et donc Al-Hassan était un peu ce fils qu'il n'a pas vu vivre. Et il l'aimait énormément dès son plus jeune âge. Il l'embrassait, il le portait. Un jour, pendant la khutbah, pendant le sermon du vendredi, il a vu Al-Hassan rentrer dans la mosquée alors qu'il était encore un jeune garçon. Il portait une tunique de couleur rouge et il avait encore un peu de mal à marcher. Alors il est rentré dans la mosquée et il marchait comme un petit garçon. Il marche, qui apprend à marcher, et il tombe. C'est mignon de voir un petit enfant tomber comme ça. Et le prophète, il n'a pas pu s'empêcher, pendant la khutbah, de s'arrêter, de descendre, prendre son petit-fils et de remonter avec sur le minbar. Et il a dit, Allah, il dit vrai, vos enfants et vos biens sont une épreuve pour vous. Imaginez quelqu'un a fait ça aujourd'hui. Bon Dieu, il est fou celui-là. Et un jour, le prophète, il l'a pris, le Hassan, il l'a mis sur ses épaules. Et Abu Huraira radiallahu anhu, il a vu le prophète et son petit-fils sur ses épaules. Et il a dit à Al-Hassan, pour le taquiner, « Ni'mal farasu tahtak, quelle merveilleuse monture se trouve sous toi, en parlant du prophète. » Et Rasul, il a dit, « Ni'mal farisu huwa. » Il a dit, « Quel merveilleux cavalier que celui-ci. » Et un jour, il a dit, en le portant et en montant avec lui sur le minbar, il a dit, « Mon fils, donc mon petit-fils, c'est un noble. Et Allah Ta'ala va réconcilier par sa cause deux grands groupes parmi les musulmans. » Et 30 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du père de Al-Hassan, Ali radiallahu anhu, Al-Hassan était donc choisi pour lui succéder en tant que calife. Mais Al-Hassan a choisi d'abdiquer et d'abandonner le pouvoir et de le céder à Muawiyah pour que la dissension plutôt qui existait entre les musulmans cesse. Et cette année-là fut appelée Amu al-Jama'a, l'année du regroupement. Car comme le prophète l'avait annoncé des années avant, Al-Hassan radiallahu anhu a été une grande cause pour que les musulmans se réconcilient et que donc leur querelle et leur conflit cesse. Et il a dit aussi de lui, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidu shababi ahli al-jannah. Al-Hassan ou Al-Hussein sont les plus nobles des jeunes du paradis. En sachant que Al-Hassan, il est mort empoisonné à Médine vers les courants de l'année 50 après la mort du prophète, après la Hijra. Et il a été enterré dans le cimetière de Al-Baqi' radiallahu anhu. Et Al-Hassan, donc, quand le prophète est mort, il avait entre 6 et 7 ans.
Il n'a pas rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On en dénombre à peu près une quinzaine, approximativement une quinzaine, et parmi les hadiths qu'il a rapportés, radiallahu anhu, le hadith que nous avons ici présent. Et comme je viens de vous le dire, Al-Hassan radiallahu anhu n'avait pas 10 ans quand le prophète il est mort, alayhi sallam, il avait à peu près 7 ans. À peu près 7 ans. Et là on a cette fameuse question chez ulama al-hadith, هل تصح رواية الصبي الذي لم يبلغ بعد والمعمول به عند علماء الفن قبول رواية الصبي المميز الذي يعي ويعقل ويدري ما يقول. Chez les savants du hadith, il y a une question qui se sont posées. Est-ce que on accepte la narration de l'enfant? Quand on parle de l'enfant, c'est celui qui n'a pas encore eu la puberté. Et on trouve quelques narrations prophétiques qui sont rapportées par des enfants et qui sont acceptées. On part du principe où à partir du moment où il a le discernement, ce qu'on appelle le tamyiz, et les fuqaha, ils définissent le tamyiz comme étant fahmul khitab wa raddul jawab. C'est deux choses le tamyiz. C'est la capacité pour l'enfant de comprendre ce qu'on lui dit et la capacité pour lui de répondre conformément à ce qu'on lui a dit. T'as été à l'école aujourd'hui? Moi j'aime l'ananas. Il a compris le petit. Donc lui, ce qu'il va te répondre, ça n'aura rien à voir. Il faut qu'il comprenne ce que tu lui dis et il faut qu'il te réponde d'une réponse qui correspond à la question que tu lui as posée. Et bien entendu qu'il ait retenu l'information, qu'il l'ait assimilée et qu'il sache la transmettre. Ce qu'on appelle dans le hadith ad-dabt. Ad-dabt, c'est deux choses. Al-tahammoud ou al-adaq. C'est comment tu vas retenir l'information et comment tu vas la transmettre. Et ça, c'est les caractéristiques qu'on regarde chez le rapporteur du hadith. Même si c'est un enfant. Et là, tu vois, subhanallah, qu'on accepte la narration de l'enfant et qu'on fait attention à l'enfant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a pris Abdullah ibn Abbas, son jeune cousin, il lui a dit, « Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat » Un hadith qu'on verra plus tard, inshallah. Jeune homme, petit garçon, je vais t'apprendre quelques mots. Et il lui a cité une série de conseils que Abdullah ibn Abbas a retenu. Et dans le Bukhari, on a un hadith comme quoi Abdullah ibn Abbas, pendant le pèlerinage, il était sur une ânesse et il passait entre les rangs pendant la prière et personne ne lui faisait un reproche. Et il dit à la fin, wa ana antahizul huluma yawma idhi. Il dit, je suis pas loin d'être pubère ce jour-là. Il n'avait pas encore la quinzaine. Donc les enfants sont des membres à part entière de la société du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va auprès d'eux pour apprendre, pour prendre de la parole du prophète alayhi salatu wa sallam. Yaqulu al-Hasan radiallahu anhu, hafidhtu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kawnuhu yaqulu annahu hafidha hadha al-kalam min babi al-tawkid. أن هذا الكلام الذي سيقوله حفظه حفظا متينا ولم يحفظه من واسطة بينه وبين النبي بل أخذ هذا الكلام من في رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة من غير واسطة فترسخ في ذهنه وحفظه ولم ينسى وهذا الفعل نظيره كثير في كلام رواة الحديث حفظت أو سمعت أو وعى قلبي أو شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. Sinon, y'a les murs si vous voulez. Tu t'allonges devant moi, je te regarde. Je vois tes pieds, que tes pieds. T'as des beaux pieds, mashallah. Mais je préfère ton visage, il est plus beau. Hein? Je fais du combien, 43, 44? Qu'est-ce qu'on disait Barakallahu fik. Donc Al-Hassan il commence, il dit Hafiztu. Vous savez, moi je démarre au quart de tour dans ce genre de truc là. J'ai grandi ici, dans une cité où on passait son temps à se vanner les uns les autres du matin au soir. On m'appelait au lycée le traiteur intraitable. Tu vois le truc ou pas? Bon, je vais te dire gentiment Barakallahu fik. Bien sûr, pas te mettre mal à l'aise. Hein. Tu t'es déjà mis mal à l'aise là, ça y est. Non, un peu vite fait. Donc, c'est pas le but. Mais ça met mal à l'aise que quelqu'un, pendant que je parle, il... comme ça, tu vois. On appelle ça l'étoile de mer.
sur une plage, c'est très joli. Et pas à la mosquée pendant un das. D'accord ? Barakallahu fik. Donc Al-Hasan dit, rahimahullah ta'ala, radiyallahu anhu. Je vous séparez, vous aussi, là. Et je vais acheter un nerf. Vous connaissez les nerfs ? Je vois pas. Al-Hasan dit, radiyallahu anhu. Hafiztu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai appris, j'ai mémorisé. Et quand Hassan radiallahu anhu il dit une phrase de ce genre là, c'est pour te dire, t'inquiète pas, c'est bien dans ma tête. C'est pas parce que j'étais petit que j'imagine, je suppose, peut-être qu'il a dit ça. Non, je l'ai enregistré, je l'ai mémorisé. Et les rapporteurs du hadith, ils donnent des expressions de ce genre là pour confirmer auprès de ceux qui les écoutent, que l'information elle a bien été retenue. Et vous savez, dans les assises auparavant, comme vous, mashallah, les gens, ils n'écrivaient pas ce que le professeur leur dictait, parce qu'ils retenaient, pas comme vous, mashallah. Et donc, ils étaient attentifs, accrochés aux lèvres de celui qui leur parlait, et ils retenaient ce qu'ils disaient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les distractions, on en a plein. Des téléphones qui sonnent, des copains à côté, ou autres. Et c'est dur de rester connecté. T'as vu quand tu reçois un appel, et que le réseau, il lâche, t'as l'air. C'est une discussion importante. C'est peut-être madame qui est en train de te dire des mots gentils, ou bien qui te demande de faire les courses en rentrant du travail, ou bien c'est peut-être le patron qui est en train de te dire qu'il va t'augmenter, ou bien te donner une promotion, ou bien c'est le gars qui veut acheter la casserole que tu as mis sur le bon coin. Quoi qu'il en soit, quand tu estimes que la discussion elle est importante, tu ne veux pas qu'il y ait une interruption. Et tu es concentré, parce que tu vois l'intérêt qu'elle va t'apporter. Et si jamais la batterie elle lâche, ou le réseau il flanche, et que la discussion elle est coupé, t'es énervé, t'es contrarié. Limite, tu dis, wallah, change d'opérateur maintenant, là, maintenant. Et tu en prends, un n'importe lequel. Bouygues, Free, Michel, Abo, je vais en prendre un autre. Eh bien, c'est pareil. Si tu veux retenir, faut être attentif. Faut être attentif. Ça nous est tous déjà arrivé. On est en train de regarder un film au moment où on va savoir l'identité de l'assassin. Il y a quelqu'un qui vient, change de chaîne. Ça, c'est. Il y a des gens qui sont morts pour moins que ça. Parce que tu veux savoir. Ça fait une heure que tu es en train de te demander, mais qui est l'assassin? Et au moment où tu vas le savoir, il y a quoi sur les autres chaînes? Et là, tu n'es pas content. Là, tu es à la mosquée, dans la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bon, tu n'as pas de chance, c'est moi qui te parle. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être pire. On va savoir. Dans tous les cas, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui vous est cité. Une parole qui doit avoir le plus d'importance pour vous que n'importe quelle autre parole. Et une parole que vous devez retenir avant n'importe quelle parole. Et vous ne devez pas laisser une quelconque distraction vous faire perdre le fil. Et si le prophète il était en train de vous parler, c'est lui qui vous parle directement. Vous auriez été distrait par quelque chose? Non, wallah. Là, wallah. C'est pas lui qui vous parle directement, mais c'est sa parole qui vous est citée. Donc faites comme si c'était lui qui vous parlait, alayhi salatu wassalam. طيب دع ما يريبك ويجوز ان تقول يريبك والاول افصح. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فهنا امر من النبي صلى الله عليه وسلم الى سبطه ومن يصح له الخطاب أن يترك الأمور التي تجعله في ريبة. في ريبة بكسر الراء. والريبة نوع معين من الشك وليس الشك نفسه. فما الفرق بين الشك والريب أو الريبة وهما بمعنى واحد؟ فالريبة شك يتولد منه قلق واضطراب. قلق واضطراب.
والشك في اصطلاح المتكلمين هو المساواة بين الراجح والمرجوح، أو المساواة بين أمرين لا قدرة لك على ترجيح أحدهما. هذا هو الشك، أن يستوي عندك أمران فلا تميل إلى أحدهما. أما الريبة والريب فهو شك يتولد منه قلق واضطراب، هذا هو الشك أو الريب عفوا. يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أترك الأمور التي لا علم لك بحكمها حتى صرت في قلق واضطراب، إلى الأمور التي لست فيها كما سبق. والمقصود إذا كنت أمام فعل أو عمل ولا تدري ما حكمه، حلال حلاله أم حرام، فالمرشد إليه أن تتركه، وهذا ما يسمى بالورع. الورع هو ترك ما قد يضر في الآخرة. فإذا كان أمامك اقتراح أو شيء من هذا القبيل لا تدري ما حكمه، فتركه أولى، تركه أولى وأسلم، وهذا هو الورع. حتى قال بعض السلف: ما أسهل الورع. قيل: ولما؟ قال: لأنك إذا شككت في حل شيء أم تحريمه تتركه وتلتفت إلى غيره. هذا في الحقيقة أمر سهل، وإن أصبح لدى كثير من الناس في هذه الأزمان المتأخرة من الصعب بما كان. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع، لس، دلس، أبوندون. Ce qui provoque en toi الريب. الريب on le retrouve dans les premiers versets du Coran. ذلك الكتاب لا ريب فيه. On va traduire par le doute. En fait, al-raib, c'est un type précis de doute. Ce n'est pas le doute réellement. Dans l'idrakat, en arabe, c'est les façons de percevoir les choses. On a 5 degrés. On a l'ilm, wal-dhan, wal-shak, wal-wahm, wal-jahl. Comment tu perçois la chose? Quand tu es à 100% en accord avec sa réalité, c'est la certitude. Quand tu es entre 51% et 99%, donc tu penches plus vers la réalité, mais tu n'es pas sûr. Mais tu penches du bon côté. On appelle ça van. Quand tu ne sais pas, c'est 50-50, on appelle ça ashak. Tu as deux possibilités, mais tu n'as aucun moyen de donner une supériorité à l'une des deux. C'est le doute. Puis on a al-waham. C'est de 49% à 1%. C'est pencher du mauvais côté. Et enfin, il y a 0%, al-jahl, l'ignorance. Exemple, quand est-ce que la bataille de Badr a eu lieu? Celui qui sait, il va dire pendant le mois du Ramadan, à la deuxième année de l'Hijr. C'est du ilm. Ah, il va dire, je crois que c'est la deuxième année. Quasiment sûr, je ne suis pas sûr, mais c'est la deuxième année, mais je ne suis pas sûr. Van. J'hésite entre la deuxième année et la troisième année. Mais j'ai aucun moyen de savoir lequel des deux est le bon. Chaque. C'est la troisième année, je crois. Il a tort, mais il penche du mauvais côté. Wahm, je sais pas. Jahl, l'ignorance. Raib, c'est un type de chèque. Donc c'est un type de doute. Donc tu sais pas. Tu as deux possibilités, tu sais pas laquelle des deux choisir. Mais c'est un doute qui va engendrer en toi une perturbation. Qui va engendrer en toi un dérangement. Tu seras gêné en toi-même. Eh bien, ça, on appellera ce genre de doute-là raïb. Et là, le prophète, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Donc, tu as deux possibilités, deux choix. Un qui crée en toi la gêne, qui crée en toi la perturbation, l'inquiétude, et l'autre qui ne le crée pas. Alors, à ce moment-là, délaisse ce qui crée en toi cette gêne, ce doute, pour ce qui ne crée en toi rien de cela. Et là, généralement,
c'est un hadith qu'on utilisera quand la personne elle est confrontée à une situation ou à une action ou à une parole sans connaître son jugement. Est-ce qu'elle est licite ou bien est-ce qu'elle est illicite, cette action-là, cette parole-là. Et il n'a aucun moyen de pencher vers l'un des deux. Par contre, il sait que ce doute-là va créer en lui une gêne, va créer en lui une perturbation. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux le délaisser complètement et ne pas s'aventurer dans ces terrains dangereux. Et à l'autre hadith de Al-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, al-halal bayyin wal-haram bayyin wa baynahuma mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman waqa'a fi faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram. Donc le licite est clair et l'illicite est clair, et entre eux il y a des choses confuses que beaucoup de gens ignorent. Beaucoup de gens ignorent. Donc celui qui se préserve des ambiguïtés, des choses confuses, il s'est préservé, lui, son honneur et sa religion. Son honneur, sa relation avec les gens, et sa religion avec sa relation avec Allah. Quant à celui qui tombe dans les choses confuses, eh bien, il tombe dans le haram. Exemple. Je sais pas moi, ils ouvrent un restaurant, ils proposent de l'hippopotame. Pourquoi pas? Est-ce que c'est halal l'hippopotame? Qu'est-ce que t'en penses, Khalid? Avec une bonne sauce tartare. La tadri. Waman qala la adri faqad afta. Je sais pas. T'as le choix. C'est halal ou c'est pas halal? Franchement, je sais pas. Allez, vas-y, on essaye. C'est pas tous les jours que tu manges l'hippopotame. Ouais, mais imagine, c'est haram. Imagine. Donc le réflexe dans ce genre de cas-là, c'est s'abstenir. Parce que tu vas rien perdre en le délaissant. Alors tu risques de perdre en le faisant. Et ce principe-là, j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc ce principe-là de ne pas faire une chose, on va pas être gêné par cette chose-là. On risque pas d'être vu, aperçu. Oh, regarde, il mange l'hippopotame. Et après, tusbih ma'arratan 'inda an-nas. Tu vas devenir un sujet de moquerie auprès des gens. Bon, voilà, on va faire une parenthèse. C'est quoi le jugement de l'hippopotame? Imagine demain, tu te rends l'hippopotame. Tu peux le manger ou pas? Qu'est-ce que t'en penses, Hussein? C'est pas? Couteau, bismillah, tu dis Allahu Akbar, tout ce qu'il faut. Ça se mange? Tu le manges? Moi, je vais pas chez toi si tu m'invites à croire. C'est vrai? Ahsant. C'est halal, l'hippopotame. Pourquoi? Parce que la base dans toute chose, c'est la permission jusqu'à preuve du contraire. Donc celui qui voudra interdire l'hippopotame, il devra ramener un texte prouvant son interdiction. Ou faire une analogie avec un animal qui lui est interdit et qui lui ressemble. Et l'hippopotame, il rentre pas dedans. L'hippopotame, il est végétarien, il est carnivore. Il est végétarien. Taille. Donc tu peux le manger. Mais là, il y a des règles. Le akh istadel, la qaïda que le frère il a donné. L'hippopotame en arabe, excusez-moi. Chnoa? L'hippopotame, c'est quoi en arabe? Faras al-nahr. Faras al-nahr. حمار النهر حمار النهر واحد اخر qu'est-ce qu'on disait? Ouais, akh, il a donné une règle. La base dans toute chose, c'est que c'est licite. Et quand il n'y a pas de dalil, quand il n'y a pas de preuve, يقولون عند فقدان الدليل فالدليل استصحاب الاصل. Quand il n'y a pas de preuve, et ben la preuve, c'est de revenir à la base. Frère, il a dit la base, c'est que c'est licite. Donc si on te demande une preuve, tu dis la base, c'est que c'est licite. Al-Muhim, donc délaisser la chose, voilà, je me rappelle ce que je voulais dire. C'est ce qu'on appelle Al-Wara. Al-Wara en français traduit ça par le scrupule pieux. C'est des phrases un peu difficiles pour certains. En fait, c'est le fait de délaisser une chose
lorsqu'on craint qu'elle nous apporterait un mal dans l'au-delà. Tarku shay'in qad yadurru fil akhirah. La délaisser. Et le wara, c'était une caractéristique chez les anciens, les pieux prédécesseurs, qui leur ont fait délaisser des choses que la plupart des gens considéraient comme licites. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait: Ma zalat at-taqwa bil muttaqin hatta harramu ala anfusihim ma abaha Allah lahum. Ni la piété n'a cessé de hanter les pieux jusqu'à ce qu'ils aient été s'interdire ce qu'Allah leur a autorisé. Et là, il faut bien comprendre aussi. Ils n'ont pas interdit aux gens, ils se sont interdits à eux-mêmes. Par précaution, par wara'. Et le wara', c'est une chose, c'est une précaution pieuse. De délaisser des choses qui peuvent être licites par précaution. Et nous, ce principe-là, on ne l'a plus aujourd'hui. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Surtout aujourd'hui, dans l'époque chimique où on nous met des E de toutes les couleurs dans les aliments. C'est comme la dernière en date que j'ai entendue, c'était un insecte, voilà, rouge là, pour les... Comment t'appelles ça? La cochenille. Je crois que t'as dit un cochon, c'est bizarre. T'as des insectes bizarres dans ton pays, toi. Et Al-Mohim, c'est donc un insecte qu'on écrase et duquel on tire un colorant rouge qu'ils mettent généralement dans les aliments, notamment dans les bonbons. Voilà, dans les bonbons, c'est ça. Les M&M's et compagnie. C'est quoi le jugement? Est-ce qu'on a le droit de manger des insectes? On va partir progressivement. Chez la plupart des savants, on ne mange pas d'insectes. Le seul insecte qui est permis, c'est quoi? Jalad. Là? Comment? Non, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est une autre qaïda, ça. Peut-être parti dans notre qaïda. T'es parti dans la qaïda qui dit « Yasbutu » Taba'an ma la yathbutu istiqlala. Non, c'est pas ça. C'est la chenille. Oh, je ne mangerai pas chez toi aussi. Hein. La sauterelle. La sauterelle, barakallah. La sauterelle. En dehors de la sauterelle. Attache à la sahabek. Qul law in c'est quoi le verset déjà? أحسنت إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. طيب دوك les insectes ne sont pas licites à la consommation. ما الدليل؟ Non. Quelle est la preuve qu'on n'a pas le droit de manger des insectes? T'es pas sûr? Vas-y, essaye. Khalid ibn Walid, non? Là. Hadi Arif. يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. Pardon? Voilà. Le khaba'if, c'est tout ce qui est immonde, tout ce qui est impur, tout ce qui est mauvais. Et il rentre dans ça, les savants, tout ce qui dégoûte la nature humaine, tout ce qui est dégoûtant. Mais c'est-à-dire que chez quelqu'un de normal. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, cette normalité, elle n'est plus réellement une norme. Maintenant, ils nous font des sucettes avec des scorpions et tout ça. Là, en plus on parle beaucoup à la télé, Zama, la protéine et tout ça. Ils veulent te vendre le produit, te mettre un peu de sucre, un peu de je sais pas quoi, et après tu crois que c'est halal. Non, c'est pas halal, il ne faut pas manger des insectes. Et la sauterelle, c'est une exception. C'est une exception. Et donc si on part de ce principe que l'insecte, on ne peut pas le manger, est-ce que je peux le manger dans les... Tu dis non? T'as bougé la tête comme ça. Non, mais ouais, du coup, la base, elle s'applique aussi quand c'est halal et du coup, quand c'est haram. Non, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments. Il ne faut jamais se précipiter avant de donner un jugement. C'est une longue étude. Okay. Voilà, les mu'assirines, ils divergent, les savants contemporains. Ils parlent d'une autre mas'ala qui est al-istihala. Al-istihala, c'est la transformation chimique de la chose. Il y a aussi un point, c'est quand on a quelque chose d'impur en petite quantité dans quelque chose de pur en grande quantité. Bon, ça, c'est plusieurs questions fiqhiyah qui vont faire que les savants ils vont diverger. Il y en a qui vont le tolérer, il y en a qui ne vont pas le tolérer. Toi, face à ça, tu as le choix entre manger des M&M's jaunes, bleus, verts, marrons. Il n'y a pas de problème. Et ne pas manger le rouge.
Eh bien, tu ne manges pas le rouge. Tu vas perdre quelque chose dans ta vie si tu ne manges pas du M&M's rouge. Ta vie sera toujours la même. Elle sera toujours aussi nulle. Non, je plaisante ce temps-là. Mais ta vie changera, elle sera la même. C'est ça ce principe en fait. C'est avoir de la retenue. Se dire, ah quand même, c'est, imagine, c'est pas. Je préfère éviter. Et bien cette retenue-là, on l'a plus. Allez, vas-y. Surtout dans une époque où le haram, il est partout. Quand tu vas à la mosquée, tu tombes sur un imam qui dit haram, 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 les gens ont marre. Il dit, ouais, c'est vrai, il veut tout le haram celui-là. Non, cet imam-là, il veut pas tout haram. C'est nous qui vivons au milieu du haram. C'est ça le problème. Si on vivait dans un environnement au milieu du halal, personne ne te dirait haram. Personne. Allah dans le Coran, il te dit « Alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ». Tout ce qu'il y a sur terre, c'est pour nous. Ce genre de verset est une preuve que la base dans toute chose est la licéité, que c'est licite, et que surtout la majorité de ce qui existe est licite. Et que quand on compare ce qui est licite à ce qui est illicite, l'illicite est infime. Mais quand c'est l'inverse, il y a un hadith, on le verra plus tard, Inch'Allah, où le prophète il sort un matin chez lui, effrayé. Il s'écrit Waïlul lil arab min sharrin qad iqtarab. Et là, Oumou Salama, radiallahu anha, il crie malheur aux Arabes d'un mal qui s'approche. Laqad futiha al yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hakadha. Il a dit aujourd'hui, la fosse qui emprisonne Gog et Magog s'est ouverte de ça. Et là, Oumou Salama radiallahu anha dit, Ya Rasulallah, anahlaku wa fina salihu, est-ce qu'on va périr alors que parmi nous il y a des vertueux? Et la prophète répond, sallallahu alayhi wa sallam, na'am, idha kathura al-khabath. Oui, lorsque le mal il sera très présent, majoritairement présent. Billah alaykoum. Si on n'est pas dans l'époque du khabath, c'est quoi l'époque du khabath? Donc normalement, on devrait faire preuve de retenue, faire attention. Un minimum. Puis c'est pas grave si tu manges pas un yaourt, toi, avec le A, W ou le je sais pas quoi. Là. Mais faut faire ça intelligemment. Faut pas tomber dans l'autre extrême aussi. Ceux qu'on a vus, ils vont là-bas avec leur téléphone, ils ont des applications. Ah non, ça tu le prends pas. Résultat, ils mettent 4 heures pour acheter 3 boîtes de maïs. Non, tu prends pas, tu prends pas, tu prends pas. Là, ça c'est du tanat, toi. Là, on tombe dans l'autre extrême. L'exagération. Et toujours, c'est le juste milieu qu'on doit rechercher. C'est dur d'être au juste milieu. Très très dur. Le wara, c'est une qualité noble que le musulman se doit d'avoir. Il lui est préférable de se priver de quelque chose de licite plutôt que de tomber dans quelque chose d'illicite. Et si tu doutes, abstiens-toi. C'est ça que le prophète a voulu dire, sallallahu alayhi wa sallam. Da' ma yaribuk ila ma la. Yaribouk. Quand tu ne sais pas le jugement de la chose, anta bayna khayrin nadaray. Imma an tajida man utiya ilma fatas'ala. Li qawlihi tabaraka wa ta'ala fas'alu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Wa in lam tajid man yuftik fatawarra. Tawarra wa truk ma qad yakunu fihi dararuk. Lorsque tu es face à un cas de ce genre-là, tu as le choix. Soit tu peux aller voir quelqu'un qui a de la science et pourra t'aiguiller. Non, c'est bon, tu peux le prendre, pas de problème. Et sinon, si tu ne le peux pas, tu ne le trouves pas, alors abstiens-toi, c'est mieux. Il vaut mieux s'abstenir. D'a'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Fa'inna sidqa tuma'nina. Wal kadiba riba. ما وجه العلاقة بين آخر الحديث وأوله؟ لأن الذي يقع في الريب فالغالب أن ريبه يدفعه إلى الكذب، والكاذب دائما في قلق، وما وجه قلقه؟ خشيته أن يكشف الناس حقيقته وأن يعلم كذبه، وكما سبق في الدرس الأخير الكذب يجر بعضه بعضا،
فالذي يقع في الأمور المشكوكة قد يسأل ما الذي حملك على ما فعلت، وهو في قلق واضطراب، ويخيل إليه أن الكذب ينجيه فيخترع قولا لا حقيقة له، وإذا بآخر يسأله فيغير قوله، وإذا بثالث يسأله فيعطيه قولا آخر، فإذا اجتمع الثلاثة الأول وسألوه إذا بقوله الأول يعارض الثاني ويعارض الثالث، فاكتشف أمره وافتضح شأنه وصار من الكاذب. فلذلك لو التزم الإنسان الصدق وتورع وترك الأمر المشكوك فيه الذي يسبب قلقه كان في طمأنينة وراحة البال، والطمأنينة سكينة القلب وراحة البال، هي الطمأنينة خلافا للريبة التي تسبب القلق والاضطراب. يقول هذه la fin du hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, car la véracité est une tranquillité et le mensonge est une gêne. Le mensonge est une gêne. Quel est le lien entre la fin du hadith et le début du hadith? Donc celui qui est face à deux cas dont il ignore le jugement, on dit soit il s'abstient, soit il fonce. Il ne veut pas être privé. Il préfère le prendre. Puis au bout d'un moment, quand il va prendre la mauvaise décision et que les gens ils vont le voir, et il va se sentir mal parce qu'il va se rendre compte qu'il a pris la mauvaise décision. Alors pour échapper aux reproches des gens, il va mentir pour se justifier, pour expliquer aux gens pourquoi il a pris cette décision là Mais généralement, comme on l'a dit la dernière fois, le mensonge, il mène au mensonge. Celui qui ment une fois, il va être généralement forcé à mentir plusieurs fois. Alors, il va mentir au premier. Pourquoi t'as fait ça? Ah, parce que j'étais malade. Ah, d'accord. Un deuxième. Pourquoi t'as fait ça? Ah, parce que j'avais plus d'argent. Ah, d'accord. Le troisième. Pourquoi t'as fait ça? Ah, parce que j'étais pressé. Ah, d'accord. Et le jour où les trois personnes qui lui ont posé la question se retrouvent et que un lui... Ah, t'es encore malade, ça va mieux que la dernière fois ou pas? Et là, il va se sentir gêné, faire un mince. Comment je vais expliquer à lui ce mensonge quand j'en ai donné d'autres aux autres? Et généralement, c'est comme ça que les menteurs se font dévoiler. C'est quand les différentes versions qu'ils donnent aux gens eh bien, se retrouvent exposées les unes aux autres, devant les gens. Donc forcément, le menteur, tôt ou tard, il finit par se faire dévoiler. Il finit par se faire dévoiler. Et donc, celui qui ment est toujours dans cette gêne. Toujours, il a peur, il est inquiet qu'on découvre son mensonge. Un mensonge qu'il a inventé pour justifier une mauvaise décision. Alors qu'à la base, il n'était même pas sûr du jugement. Et que s'il avait fait preuve de wara, de précaution, de scrupule, et qu'il s'était abstenu, il n'aurait pas eu à mentir, parce qu'il ne l'aurait pas fait. Et donc, la finalité du hadith, c'est que la véracité, c'est une tranquillité. Une tranquillité du cœur et de l'esprit. Celui qui dit la vérité, il est tranquille. Il n'est pas dans le doute et dans l'inquiétude qu'on le découvre. 20 personnes vont lui demander, il va répondre aux 20 personnes la même chose, parce que c'est la vérité. Et quand il les rencontrera dans la rue, des séparés ou bien réunis, pareil, il n'aura pas de doute, il ne sera pas inquiet. Alors que le menteur, lui, il vit toujours dans le doute et l'inquiétude. Il a peur qu'on le dévoile. Et il ne veut pas qu'on sache que c'est un menteur. Donc, là, on comprend que le mensonge, il a des causes. Et parmi les causes qui poussent les gens à mentir, c'est de ne pas faire preuve de précaution, de retenue face au doute. T'as un doute, abstiens-toi. Tu ne seras pas privé en t'abstenant de faire une chose pour laquelle tu n'as pas de besoin. Et chez les fuqaha, on fait la part des choses. Il y a ce qu'on appelle al-tahsiniyat, al-hajjiyat, wa al-darurat. Il y a aussi al-hajat, ça rentre dans le hajjiyat.
les choses qui nous entourent, on les rentre en trois catégories. Al-tahsiniyat, ce qu'on appelle aussi al-kamaliyat, le superflu. Les choses, c'est bien de les avoir, mais c'est pas grave si tu les as pas. Tu peux t'en passer. Après, al-hajiyat, les choses dont on a besoin, on en a besoin, mais si on les a pas, on va pas être confronté à un mal. Et enfin, on a ad-darurat. C'est les choses, si on les a pas, on va être confronté à un mal. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, il faut savoir le mettre dans la bonne catégorie. D'accord ? C'est-à-dire que dans certains cas, ça rentrera dans le kamaliyat, le superflu, dont on peut se passer. Dans certains cas, ça peut rentrer dans le hajiyat, ou le hajat, appelle-le comme tu veux, dans les besoins. Donc des fois, tu pourras y avoir accès, des fois, non. Et dans certains cas, ça rentre dans le darurat. Donc, celui qui ignore le jugement de l'action, soit il sait que cette chose-là, qu'il s'en passe, ça va, s'il s'en passe, ça ne va rien provoquer chez lui, alors il s'en abstient sans avoir besoin d'aller demander à quelqu'un qui connaît. C'est bon. Et ça, tu es capable de le déterminer, ça. Tu es capable de le savoir. Tu rentres chez toi, tu rentres dans ton bâtiment, il y a quelqu'un qui sourit de nulle part, et tu mets le téléphone. Tu vois ? Après, il ouvre sa veste comme ça. Il y a des iPhones, des Samsung, des ce que tu veux. Choisis celui que tu veux. 50 euros. Oh, bizarre. Ils sont halal tes téléphones. T'inquiète. Quand quelqu'un comme ça, il te dit t'inquiète, inquiète-toi. Là, tu vas être attiré par le gain. Quand même, un iPhone à 50 euros, quand même, c'est pas une occasion qui se présente tous les jours. Mais si tu ne le fais pas, est-ce que ça va changer quelque chose dans ta vie? Est-ce que ça va créer chez toi un manque ou un mal? Non. Abstiens-toi. Abstiens-toi. Après, donc, chacun, il doit être capable de déterminer dans quelle catégorie la chose, elle revient. Est-ce que c'est dans le superflu, les besoins ou la nécessité? Et si tu as un doute, et que tu peux demander, demande. Allah a dit, fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamou. Demandez. Bon, j'en du rappel, si vous ne savez pas. Et si tu ne peux pas en trouver, alors abstiens-toi. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah il lui remplacera par quelque chose de mieux que ce qu'il a délaissé. والشاهد من الحديث, ce qu'on doit retenir du hadith, c'est الصدق طمأنينة والكذب ريبة. Celui qui veut vivre tranquille, sans souci, ni inquiétude, qui dise la vérité. Que ce soit dans sa relation avec Allah Azza wa Jal ou avec les gens. Il ne sera pas toujours stressé que les gens découvrent son mensonge. Il sera tranquille, parce qu'il a dit la vérité. Alors que celui qui ment, il vit dans un stress continu. Daiman, fi qalaq. Toujours. Quand il va voir les gens, en plus des fois les gens ils mentent tellement qu'ils oublient leur mensonge. Ils oublient. Il a dit à quelqu'un qu'il est parti en vacances alors qu'en vrai il est parti en prison. Puis il croise quelques jours plus tard. Il lui dit ça va, ça s'est bien passé ton séjour. Il lui parle des vacances. Tu la laisses tomber à Fleury, franchement c'est dur. Fleury. Tu es parti en vacances à Fleury toi. Et les gens ils se trahissent sans le vouloir. Et d'ailleurs les ulama du hadith ils ont une qaïda comme ça. Mais tajriba qarraruha. Ils l'ont déterminé par l'expérience humaine. C'est que tôt ou tard, le menteur, il est dévoilé. Tôt ou tard. Et en particulier celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a des livres qui répertorient les menteurs. Les kathaboun al-wadda'oun. Ceux qui ont inventé des paroles et les attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des livres entiers là-dessus. Et les ulama disent, ya'ballah. أن يترك من يكذب على رسوله يمشي في النهار من غير أن يفضحه في الليل. الله يغفز.
de laisser quelqu'un qui ment sur le prophète marcher librement le jour sans le dévoiler le soir. Sans le dévoiler le soir. Tôt ou tard, on finira par trouver que c'est un menteur. قال رحمه الله تعالى الثالث عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه فذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الجزء من الحديث رغم كونه طويلا في الأصل وهذا أمر مباح وهو ما يسمى في اصطلاح الفن باختصار الحديث تفضل وأبو سفيان صخر ابن حرب من سادات قريش وهو من أوسطهم نسبا وكان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قاد الجيش الذي حارب النبي والمسلمين في غزوة أحد وفي غزوة الخندق ثم أسلم عام الفتح وكان من المؤلفة قلوبهم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل وبعض الكمية معينة من الذهب وقاتل معه في غزوة الطائف ففقئت إحدى عينيه وفقئت الأخرى في غزوة في واقعة اليرموك ثم عاش في المدينة حتى مات فيها وله من الأولاد معاوية ويزيد وأم حبيبة رملة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها وكان قد هاجر إلى الحبشة والنجشي رحمه الله تعالى هو الذي قدم مهرها وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوجها ورملة أم حبيبة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين وكان معاوية يلقب بسبب كونه أخا لها بخال المؤمنين بخال المؤمنين وأما قصة أبي سفيان مع هرقل وهرقل عظيم الروم فكان أبو سفيان يرحل إلى الشام مرة كل عام في رحلة الصيف كما هي كانت عادة قريش التي ذكرها الله تعالى في سورة قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فكانوا يرحلون إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء وكان أبو سفيان يعرف التجار الشاميين حتى بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم هرقل فطلب من تجار العرب رجلا يكون له رحما أو رحم مع هذا النبي مع هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي وكان أبو سفيان أقرب الناس إليه نسبا فأحضره هرقل بين يديه وطرح عليه عدة أسئلة وهم أبو سفيان أن يكذب لكن شرط هرقل عليه أن يحضر معه التجار الآخرون وأمرهم أن يكذبوه إن كذب فلم يجد أبو سفيان بدا إلا الصدق إذن طرح عليه هرقل عدة أسئلة ومنها ما ذكره
المصنف في هذا الجزء من الحديث. فماذا يأمركم؟ On passe au hadith suivant, le 56e hadith, qui est rapporté par Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb. J'aimerais qu'on fasse juste une petite parenthèse sur le nom, le prénom de Abu Sufyan. Sakhr, ça veut dire le rocher. Ibn Harb, le fils de la guerre. Sacré prénom quand même. Et quand on regarde dans les noms des Arabes, ils ont des noms comme ça. Sakhr, Kalb, Asad, des noms durs. Et un jour, ils ont posé la question aux Arabes. Ils leur ont dit, pourquoi vous donnez des beaux prénoms à vos esclaves et des prénoms moches à vos enfants? Alors ils répondaient, nous sommes abidana lana. On appelle nos esclaves pour nous, donc on leur donne des beaux noms. Et on appelle nos enfants pour nos ennemis, donc on leur donne des noms effrayants. Et regarde la petite lartefa, Jamila Dakaraha Bardo Al-Ilayn. Une belle subtilité, une leçon subtile que certains savants ont su voir dans la bataille de Badr. Vous savez, selon l'habitude des Arabes, avant le combat, avant la guerre, il y avait des combats. C'est-à-dire que les plus grands guerriers de chaque camp s'affrontaient en duel. Donc, qui est sorti du camp de Quraysh? On a Utba. Et on a Shayba. Et on a Al-Walid. Et quand tu regardes le sens de ces prénoms, Utba, ça vient de Al-Itab, c'est celui à qui on fait des reproches. Shayba, c'est le vieux, celui qui a les cheveux blancs. Et Al-Walid, c'est le Maouloud, celui qui va de naître. Qui sont sortis chez les musulmans? Hamza, le lion. Ali, le plus grand. Et Abu Ubaïda. Et il disait, c'est comme si, avant même que la bataille ait commencé, ils avaient déjà perdu. Ils sont tous morts, les trois sont morts. Et le principe de ces prénoms-là, Sakhr, le rocher, le fils de la guerre, c'était connu. On avait des compagnons qui s'appelaient Sa'ab, le dur. Et les Arabes, ils avaient un optimisme dans le prénom qu'ils donnaient à leurs enfants. Toute personne, elle a une part de son prénom. Tu vas regarder ton prénom, son sens, et tu vas constater que c'est pas très loin. Tu as des similitudes avec le sens de ton prénom. Exemple, il va vous faire rire. Ne rigolez pas, je vais pas encore commencer. Soufiane, ça vient de... Ça vient de As-Safa, le sin, je me sors. As-Safa. Et As-Safa, ça veut dire quoi? Al-Khifa. Yani la légèreté. Là, tu peux rigoler. Mais, ça ne veut pas dire que tous les soufis, ils sont légers. Hein, Sophia? Ça peut suivre aussi. Mais, Al-Khifa, chez les Arabes, elle est hissiya et la ma'nawiya. Elle est concrète. Quelqu'un qui est vraiment léger. Et elle est abstraite. C'est quelqu'un qui est facile à vivre. C'est comme nous quand on dit, oh, il est lourd lui, il est relou lui. Et à l'inverse, oh, lui il est bien, il est tranquille. Il est... Dans le sens, il est léger. C'est l'inverse du lourd. Je ne sais pas si celle-là je l'aime, mais en tout cas, on a tous une partie du sens de son nom. Et les Arabes, ils donnaient des noms à leurs enfants parce qu'ils espéraient trouver l'essence de ces noms en eux plus tard. Et c'est pour ça qu'ils ne faisaient pas attention à la consonance. Ils faisaient attention au sens. Nous, aujourd'hui, on fait attention à la consonance et pas au sens. On n'a jamais eu autant d'enfants qui s'appellent Ryan ces dernières années. Pas parce que c'est le nom d'une porte au paradis, mais parce que ça ressemble à Brian. Dans un CV, ça passe mieux qu'un Mouloud. Il y a un Mouloud dans la salle? Ou bien un Qaddour. C'est un nom bien grillé, tu vois. Non, on ne sait jamais, imagine.
C'est comme. Ils vont chercher dans les livres des dictionnaires de nos prénoms, ces livres que vous connaissez, ils vont chercher les prénoms parce qu'ils vont trouver quand même une légitimité. Ils vont dire non, regarde, je vais trouver dans le dictionnaire des prénoms arabes. Suzanne. Suzanne, c'est un prénom que les chrétiens arabes ils se donnent, oui, c'est vrai. Donc, de surcroît, on va dire qu'il est arabe parce que des arabes le portent, mais ce n'est pas un prénom arabe. Dans le sens où, si tu cherchais les arabes avant, personne ne s'appelait Suzanne. Ils disent Saoussan, ils ne disent pas Suzanne. Saoussan. Bon, après, on ne va pas tous les refaire, mais c'est malheureux. C'est malheureux que les gens ne font pas attention au sens des noms qu'ils donnent à leurs enfants. Juste parce qu'il est joli. À l'oreille. La consonance. Ala kulli hal, Sakhr ibn Harb. Le roc. Il y a un acteur qui s'appelle Rock. Non ? J'ai connu un chanteur dans les années 90 avec une guitare du Canada qui s'appelait Rock aussi. Je l'ai connu. Mais un acteur, un morceau de à peu près comme moi, Yanni, s'appelle Rock. Même eux, tu vois, quand tu prends les combattants, ceux qui font des arts martiaux, ils se donnent des surnoms. Ils se donnent des surnoms. Ils ne choisissent pas des surnoms de bisounours dans les dessins animés pour enfants. Ils prennent des trucs qui font peur, tu vois. Le massacreur, la tronçonneuse, le dentiste, parce qu'il va te refaire la dentition. Et des trucs de ce genre-là. Bah, donc c'est un principe qui est resté. Sakhr ibn Harb. Ça, c'est un problème, tu peux pas l'oublier, ça. Tu peux pas. Nasmouk. Sakhr ibn Harb. Allahu Akbar. Même quand tu le prononces, ta gorge, elle est fatiguée. Sakhr ibn Harb. Tu vois? Alors que nous, c'est des prénoms, ils sont mignons. Et résultat, on est mignons. C'est vrai ou pas? On est mignons. Ils sont gentils. T'as envie de leur faire des... Après, je ne sais pas, rien dire, il faut être méchant, il faut être... Mais... Et donc, Abu Sufyan, c'est un cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont un ancêtre commun, je ne sais plus c'est lequel. Et d'ailleurs, il a une des meilleures lignées de Quraysh. Et il faisait partie des gens les plus nobles de Quraysh. Et il n'a pas participé à la bataille de Badr, lui. Alors qu'il y en est à l'origine. Il revenait du Sham. Donc de la Syrie, de la Palestine. Et le prophète, il a voulu intercepter sa caravane. Et il a réussi à leur échapper. Mais avant ça, il a appelé Quraysh au secours. Et Quraysh, ils y sont allés. Lui, il est parti, et eux, ils y sont allés. La plupart d'entre eux sont morts, et lui, il a survécu. Donc il n'a pas participé à la bataille de Badr. L'année d'après, c'est lui qui était à la tête de l'armée pour Uhud. Et 2 ans après, c'est lui qui était à la tête de l'armée pour Al-Khandaq. Les fossés, les tranchées. Il faisait partie de ceux qui étaient les plus grands ennemis du prophète, alayhi salatu wassalam. Et pourtant, l'année de la conquête de la Mecque, il est rentré dans l'islam. Et il a fait partie de ceux que le prophète a... Comment dirais-je? Il leur a offert des cadeaux pour qu'ils se convertissent à l'islam. Notamment 100 chameaux et une certaine somme d'or. Si je ne me trompe pas, c'était 4 ouqiyah, des 4 onces d'or. C'est quand même une certaine somme. Et il s'est converti à l'islam. Mais même s'il s'est converti après que le prophète lui a offert ces choses-là, comme ils disent, Hasuna Islamu. Il est rentré dans l'islam d'une certaine façon, mais il est devenu un bon musulman. Ça va? C'est moi qui te berce ou... Et il est devenu un bon musulman. Et d'ailleurs, juste après sa conversion, il a participé à une bataille aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la bataille de Taif, où il a été blessé à l'œil. Il a perdu son œil. D'ailleurs, l'histoire, elle est belle, parce que Abu Sufyan, il s'est pris une flèche dans l'œil, et l'œil, il est sorti de son orbite.
Alors imagine, hein, c'est là que tu vois ces hommes-là, ils étaient spéciaux Allah. Sakhr ibn Harb. Il prend son œil comme ça. Et il apprend que c'était arrivé un compagnon du prophète auparavant. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché dans l'orbite du blessé. Il lui a remis l'œil. Il a essuyé. Et c'est comme si de rien n'était. Alors Abu Sufyan, il entend ça. Il ramasse son œil. Ou du moins, il pendait, je ne sais plus. Je crois qu'il pendait à l'âme. Et alors le prophète, il lui dit, fais-moi comme tu as fait à Fulel. Quand je l'ai regardé, il le fait. Soit je te refais comme je l'ai fait à Fulel. Soit tu patientes et tu auras le paradis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a arraché, il l'a jeté par terre, il l'a écrasé. Il l'a écrasé. Et des années plus tard, à la bataille de Yarmouk, où les musulmans étaient face à Al-Fors, il a perdu le deuxième œil. Radiallahu anhu. Puis il a vécu un certain temps jusqu'à mourir. Il a vécu à Médine jusqu'à y mourir. Radiallahu anhu. Et Abu Sufyan, il a eu donc plusieurs enfants. C'était d'ailleurs l'époux de Hind, Bint Utba, à qui on a fait référence tout à l'heure dans la bataille de Badr, et qui s'est converti elle aussi à l'islam. Et il y a même un hadith où il y a plusieurs hadiths où elle intervient. Et dans tous les cas, quant à l'histoire de la tuer à celle qui a demandé est-ce qu'on tue Hamza et qu'elle a mangé son foie, c'est pas vrai ça. Ça, c'est pas vrai. La réalité de l'histoire, c'est que c'est Wahshi qui l'a tué, c'est vrai. Et c'est Umayya ibn Khalaf qui lui a demandé de le faire. Sinon, Hind n'a pas demandé à ce que Hamza soit tué et encore moins à la manger son foie. Adam, laïsa bi sahih. Ala kulli hal, donc ils se sont convertis et ils ont eu donc des enfants qui eux aussi se sont convertis à l'islam. Il y a Muawiyah et Yazid qui se sont convertis après la conquête de la Mecque. Et sa fille, Ramla, Umm Habiba, s'était convertie longtemps avant. Et elle était mariée à un homme qui était musulman aussi. Et ils ont fait l'émigration à Al-Habasha, la première émigration en Éthiopie, en Abyssinie. Et elle est restée là-bas un certain temps jusqu'à ce que son mari meure. Alors, après son deuil, le prophète l'a demandé en mariage, alayhi salatu wassalam. Et Al-Najashi, le Négus, le roi d'Éthiopie, il a, lui, payé la dot de Umm Habiba à la place du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a envoyé à Médine. Et donc, Umm Habiba, radiallahu anha, était donc une des épouses du prophète et, de par ce fait, une des mères des croyants. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Et on appelait, parce que Muawiyah était le frère de Umm Habiba, on l'appelait Khalu al-Mu'minin, l'oncle maternel des croyants. Pourquoi on l'appelait Muawiyah Khalu al-Mu'minin? Parce que c'était le frère de Umm Habiba. Et on n'a pas appelé Abdurrahman ibn Abi Bakr Khalu al-Mu'minin alors que c'était le frère de Aisha, ni Abu Abdullah ibn Umar Khalu al-Mu'minin alors que c'était le frère de Hafsa, parce que Muawiyah est devenu calife. Il est devenu calife. Et d'ailleurs, Muawiyah et son frère Yazid, donc, se sont convertis à l'islam. Et après, par la suite, Muawiyah est devenu calife. Donc, c'est approximativement un aperçu de la biographie de cet homme. Radiallahu anhu arda. Et donc, comme il était aussi un riche commerçant, et avant sa conversion à l'islam, donc. Tous les ans, il partait en été au Cham. Le Cham, c'est le nom qu'on donne à la région qui englobe le Liban, la Syrie, la Palestine et la Jordanie. Tout ça, on l'appelle Cham. Donc les Arabes, ils allaient en été au Cham, parce que là-bas, il faisait frais. Et ils allaient en hiver au Yémen, parce que là-bas, il faisait bon. Et ils commerçaient. Donc ils vendaient leurs marchandises et ils achetaient celles sur place. Pendant ses voyages, Muawiyah, il est au Cham et Hiracl, Héraclius, l'empereur romain. Il y en a qui disent que ce n'est pas une bonne traduction de dire l'empereur romain. Parce qu'en vrai, l'empereur romain il s'appelle Caïsar, pas Hiracl. César. Même si à cette époque-là, il n'est plus de César. Donc il y a une divergence au niveau de l'appellation. Et c'est pour ça que certains ils ont dit que c'est l'empire byzantin. Mais ce n'est pas l'empire byzantin non plus. Parce que l'Empire byzantin, il est à l'origine des Turcs. Et Rome, quand Allah il les appelle dans le Coran, Rolibati Rome, c'est les Romains. Mais pour faire bref, les Romains en question, ce n'est pas les Romains qu'on a connus, nous, avec Astérix. Et... Non, c'est une autre dynastie.
Donc Héracle, qui était l'empereur romain, il entend parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il sait que c'est un arabe, de la péninsule arabique, de la Mecque. Et il sait qu'il y a des arabes de la Mecque qui viennent chez eux au Chem pour commercer. Alors il demande qu'on lui ramène les arabes. On lui ramène les arabes. Quand ils arrivent devant lui, il leur demande lequel d'entre vous a un lien de parenté avec cet homme-là qui prétend être un prophète. Et Abu Soufiane était celui parmi eux qui avait le plus de proximité à ce niveau-là. Là, dis-moi. Là, je vais te poser plusieurs questions, tu me réponds, tu me dis la vérité. Khaled dit aux autres, si jamais il ment, dites-le. Et là, Abu Soufiane était bloqué. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas d'autre choix que de dire la vérité. Surtout que chez les Arabes avant, c'était l'art d'être accusé de menteur. C'était l'art, ça ne se faisait pas. Et Al-Sharif, là, yakdib. Et le noble, il ne mentait pas. Donc il n'avait pas le choix. Et là, Héraclès lui pose plusieurs questions. Le hadith, il est long, le hadith. Même si ici, il est juste une partie. D'ailleurs, à ce niveau-là, les savants tolèrent que l'on rapporte le hadith ikhtisaran, en le réduisant. Qu'on prenne une partie du hadith sans avoir l'obligation de le citer entièrement. Donc Héraclès a posé plusieurs questions à Abu Soufiane, et parmi les questions qu'il lui a posées, celle qui est évoquée ici. فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ. Qu'est-ce qu'il vous ordonne de faire? قَالَ أَبُو سُفْيَانَ قُلْتُ يَقُولُ اُعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَإِنَّمَا قَالَ أَبُو سُفْيَانَ هَذَا الْكَلَامِ لأن الناس في هذا الزمان كانوا متشبثين متعلقين تعلقا قويا بقول الآباء فالذي يترك قول الآباء يكون تركه إياها أو إياه مسبة ومعرة يعيب بها. ويقول أبو سفيان نفسه أنه كان يحاول أن يولج في الكلام رغم أنه التزم الصدق أشياء تقوم ضد النبي صلى الله عليه وسلم ومنها هذه الكلمة. Donc, lorsque Héraclès a demandé à Abu Soufiane qu'est-ce que ce prophète vous ordonne de faire, il a dit, il nous ordonne d'adorer Allah seul et de ne rien lui associer. Et il nous ordonne d'abandonner les paroles de nos ancêtres. Et Abu Soufiane, comme il était bloqué, il ne pouvait pas mentir, il dit lui-même dans une version du hadith qu'il essayait malgré tout d'insérer dans ses réponses des éléments négatifs vis-à-vis du prophète alayhi wa sallam, au minimum. Et parmi ces choses-là, cette phrase-là, pourquoi? Parce que les gens avant étaient très attachés aux paroles de leurs ancêtres. C'était une fierté. Et celui qui a abandonné les enseignements des anciens, il était dénigré, méprisé et insulté. Donc il espérait en disant à Héraclès qu'il nous demande d'abandonner les paroles de nos ancêtres, que ça joue contre lui. وَتُرُكُمْ مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ. Les ancêtres. Comme Allah dit dans le Coran. إِنَّا وَجَدَنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. Donc Allah, quand il reprend la parole de Quraysh, entre autres, des associateurs arabes, ils disent, nous avons trouvé nos ancêtres, ala umma, yani ala din, sur une religion. Wa inna ala atharihim muhtadun, wa fil ukhra muqtadun. Et nous ne faisons que suivre leurs pas, être guidés par le chemin qu'ils nous ont laissé. Wa idha fa'alu fahishatan, قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. Lorsqu'ils font une turpitude, ils disent, nous avons trouvé nos ancêtres agir ainsi et Allah nous l'a ordonné. Allah, il a dit, réponds-leur, Allah n'ordonne pas la turpitude. Donc il a repris leur mensonge sans parler du premier,
Ce qui signifie que la turpitude qu'ils accomplissaient parce qu'ils ont trouvé leurs parents en train de faire ça, c'était une réalité. Par contre, c'est faux. C'est pas Allah qui leur a demandé de le faire. Ash-Shahid dans le Coran, il y a beaucoup de versets où ils reprennent justement leurs ancêtres pour justifier leur égarement et leur adoration vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'muruna bis-salati, et ils nous ordonnent la prière. Wa sidq, la véracité. Wa al-afaf, et la chasteté. Al-afaf. Wa as-silah, et le fait de consolider les liens de parenté. De garder le lien de parenté avec ceux de la famille. متفق عليه. طيب نكتفي بهذا لا يحتاج إلى تفصيل زائد ونلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى حيث حان الوقت. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et nous reprendrons la semaine prochaine إن قدر الله البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.